L'islam, c'est l'islam, c'est le Coran. D'ailleurs, je vais te faire lecture, puisque tu ne connais pas l'islam, je vais te faire lecture d'un verset du Coran. Il y en a 600 comme ça, mais je vais te les épargner. Mais on ne va pas faire de la théologie, si, on n'est pas si, là c'est pour important, ça. Parce que quand tu dis que l'islam est compatible avec la République, tu parles de l'islam. Donc ouais. Si tu ne connais pas l'islam, tu ne peux pas savoir s'il est compatible avec la République ou pas. « Inna allazina kafiru bi ayatna saufa nasalhum nar kalamna guludahum » Je te traduis. Certes, ceux qui ne croient pas au Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Jean, est-ce que ça c'est de l'islam ou de l'islamisme? Jean, ça c'est de l'islam ou de l'islamisme? Jean, tu n'es pas réponds, réponds à ma question. Est-ce que ça c'est de l'islam? Non, Jean, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux parce que tu sais pertinemment qu'il y a toute une série de pays musulmans qui luttent contre l'islamisme. Et eux, ils savent faire la différence. Ils luttent contre l'application d'un islam intégral. C'est pas pareil. L'islamisme n'existe pas. Ils luttent contre l'islamisme.